Yep. Oula. Je suis dans la merde, hein, c'est ça? Suis dans le caca. Ah, c'est pas vrai. Comment je sors de là? Je crois que je vais pas avoir le choix. Ah, on va se retaper tout le trajet. Et c'est pervers parce que ça m'a même pas tué quoi. Je pensais que j'allais mourir et en fait non. Oh. C'est pas grave. J'aurai quelques ventes à faire. Tout est à ma prix. Ouh. Ah ouais. Ah, niveau scrap, je suis pas mal là. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont liés? Ouh. 207? Ah ouais. Ah oui d'accord, donc j'ai looté un truc d'enfoiré là par contre. Ok. Mince. Non, c'était... Non, c'était lié. Donc... Attendez, j'ai un loot. Ah non, c'était lié. C'était lié, c'était lié. Alors ça me sert à rien, ça me sert à rien. Non. Bon, les jarrets, tout ça se vendra. Ok. Gardez la tête haute. Je la transmo plus tard. Hein. Ah bah j'ai même pas eu besoin de la transmo. Ah non, c'était une... D'accord, excusez-moi, c'était une robe. C'était une grande tenue. Ok, d'accord. Ok, bon. Alors, parce que j'ai gagné masse en endurance, j'ai gagné... voilà. C'est... faudrait que j'aille me transmo, mais ça c'est pas grave, on va rester comme ça pour le moment. On va juste passer rapidement à l'HV ensemble. J'en ai pour une seconde. Baladash Malanore.
pour le puits de soleil. Voilà. Attendez, je regarde un truc rapidement. Non, faudrait que je passe à l'étage en dessous pour ça. C'est pas grave. On y bosse. Je vis pour vous servir. Non, pas cette version-là. Cette version-là. J'ai perdu 400 pour rien. Oui, parce que je me suis amusé à refaire quelques versions hors caméra. Mais c'est celle-là que je veux. Ce devrait être une fructueuse collaboration. Voilà. Comme ça, j'ai mon apparence. Bon, j'ai perdu 400 pièces d'or là-dessus. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette monture. Le truc, c'est qu'elle coûte 5 millions de PO. Ou je crois 50 euros sur le store. Donc... Non, je veux bien soutenir Firestorm, mais pas à 50 balles, quoi. Faut pas déconner. Vas-y, il est où le fly? Ah, là-bas. Du coup... Sanctuaire du fou. Bienvenue en ces lieux.
Ok, ah, excusez-moi parce que je regardais résultat un truc sur mon téléphone. Alors, toc, utiliser un miroir pour entrer dans ton bis. Ok. Du coup, va falloir reprendre le l'ascenseur. D'accord, la synchronisation entre les chaînes et l'ascenseur est pas terrible. Il y a un petit problème d'animation. Mais c'est classe quand même. On est d'accord, je dois utiliser, enfin je dois aller c'est ça. D'accord, ok. C'est encore une sorte d'instance. J'espère que vous êtes agile de vous-même. Que votre lame soit toujours acérée. Vous, le bruit court que vous êtes, un sans entrave, eh bien, est-ce que... c'est ce que nous allons voir. Mon maître, le prince Renatal, est l'instigateur de la rébellion. Il savait que Denatrius préparait un très mauvais coup et il a cherché à déjouer ce manigance. Malheureusement, la rébellion a échoué et Renatal a été jeté dans l'antre. Ah, bon. Ah, ça veut dire qu'on va retourner dans l'antre. Et cette fois-ci, je ferai l'exploration. Je propose que nous y aventurons à notre tour. Il y a ici un ancien dispositif que vous seul serez en mesure d'utiliser. Ensemble, nous pouvons sauver mon prince. Vous allez avoir besoin de lui si vous voulez avoir la moindre chance de réussir. Aventurez-vous dans l'antre à la recherche du prince Renatal. Sauter dans l'antre. Rien que ça. Mince. Ce que je voulais voir, c'était en dessous. D'accord. Bon, bah let's go, hein. Let's go, let's go.
J'aurais besoin d'une bonne paire de bras. Bon, ce n'est pas le moment de se disperser. Je perçois la présence de Renatal. Le fil est tendu, mais suffisamment pour savoir qu'il est à l'extérieur de la tour. Venez, allons le trouver et fichons compte d'ici. Je ne laisserai plus personne se dresser entre mon prince et moi. Personne. Ah oui, Varna, c'est vrai qu'on peut pas utiliser les montures ici. Attendez, parce que je suis à deux doigts de découvrir un autre endroit ici. Bon, on va faire une petite pause exploration. Ok. Tout ça, c'est ok. Ah, c'est con, j'aimerais faire ça hors caméra, mais le truc c'est que l'antre, on peut pas y accéder comme on veut. Donc j'aimerais qu'on fasse ça histoire d'avoir le haut fait en fait. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un haut fait en vrai. Ouais, si. Il y a un haut fait pour l'entrée. Alors, je pense que... Non. C'était pas la grotte où on était au début, ça? Ça y ressemble. Donc je suis désolé, hein, mais ce haut fait là, j'aimerais vraiment l'avoir. Et je sais pas si après... si après la campagne, on pourra revenir ici. Du coup, je préfère prendre le... saisir l'occasion, en fait. Tant pis, ça va être un petit peu long. Je suis désolé. En même temps, ça vous permet de découvrir aussi l'antre, si jamais vous... Voilà, on sait jamais. Hop, ok. Bon. Pourquoi j'ai cru que c'était un pont, ça? Non, c'est pas grave. C'est con, on a découvert déjà pas mal hein, de l'antre, hein, mais... attendez, juste... Hop. Si je l'active pas, ça va pas le faire.
Ouais, le mieux c'est que je traverse la rivière, hein. Tant pis, hein, on va. Le son va être insupportable. Ouais, ça va encore, c'est calme là. Parce que souvenez-vous, à un moment on était dans ce courant-là, là, l'espèce de Styx là, et puis ça hurlait là-dedans, c'était un enfer. Ok, le creuset des damnés. Donc on était là où on était. Ouais, d'accord. C'était là où on était au départ. Ok, du coup. En vrai, non. On va aller explorer cette partie-là. Là. Oh, bordel, il y a une partie auquel on pourra pas avoir accès. Et puis, il y aura ça. Ça. À mon avis, s'il y a ça, ça veut dire qu'on pourra revenir plus tard. Mais. Ah, qu'est-ce que je fais? Non, on va essayer d'explorer un maximum. Par contre, c'est vachement calme. On croise quasiment pas de mobs. Quasiment envie de dire que c'est trop calme. Ah, quand même. Suffit que j'en parle.
104 points de vie, ça fait beaucoup. Hein. Je suis trop loin. Bon, va falloir se le faire quand même, parce que de toute façon, mon... Quoique je sais pas, PNJ a l'air de me suivre. Oui, on a été ici, c'est là qu'on avait récupéré le père de l'autre, là. Est-ce qu'on peut passer là? Ah. Et merde. Si, on peut. Bah tout ça pour rien. On pourra pas tout explorer. Fichier. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va continuer quand même. Putain. On passe en force.
il ne lâchera pas. Lui, il ne lâchera pas parce qu'il a pris des dégâts. Mais j'ai déjà en plus découvert un truc. Mais attendez, pourquoi le creuset des damnés il est encore dans la liste? Alors que j'y étais. Putain, parce que je suis pas rentré dedans, ça, ça va pas compter. Est-ce que je fais demi-tour? Bon, allez-y, je vais faire demi-tour. Après je vais me faire emmerder. Du coup, de toute façon, c'est sûr qu'on devrait y retourner parce qu'il y a le Torghast qu'on n'a pas encore visité et que faudra qu'on y arrive un moment, je pense. Donc, du coup, je poserai la question sur le World FR et si après la campagne on peut retourner dans l'antre comme on veut, je ferai l'exploration hors caméra et on s'emmerdera pas. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Palier est proche, d'accord, ok. Pareil, hein. Ouais, le truc c'est qu'il n'y a pas de fly dans l'antre. C'est vraiment un enfer ce territoire. Hein. Pas possibilité d'utiliser les montures, pas possibilité de voler. Je vous avouerai qu'à explorer c'est un peu un enfer. Hein. Même pas d'utiliser une monture, quoi. Enfin, c'est même pas volé le problème, c'est même pas pouvoir utiliser une monture, quoi.
Bon bah du coup on va aller faire la quête. On a récupéré une petite partie de l'antre en plus. C'est par là. Mais en vrai, de toute façon, il n'y a rien qui se valide. Le fort de la perdition, j'étais dedans, c'était pas validé. Donc cherchez pas, de toute façon, c'est même pas validable maintenant. L'exploration, elle est pas validable maintenant. Donc ça sert à rien. Il va peut-être même falloir que je me retape toute l'exploration moi-même, quoi. Après la campagne. Altesse. Tout va bien. Ils ne vous ont pas fait de mal. Vorbalia, vous aussi avez été voué à Londres. Et qui est cette personne? Attendez, je vous reconnais. Oui, vous avez défendu Azeroth. Ah, l'âme qui pourrait un jour sauver l'Ombre-Terre. Peu importe par quel coup du sort vous êtes arrivé jusqu'ici, le fait est que vous pouvez pas mieux tomber. Cette cage a été fabriquée sur mesure à mon intention. Il n'existe qu'une seule clé. Et comme par hasard, elle est accrochée à l'armure de cette brute épaisse là-bas. Terrassez ce monstre et prenez-la. Faites vite, le geôlier surveille les lieux en permanence. En vous voyant, j'ose ressentir un peu d'espoir. Bordel. Je suis dans la grosse de loin.
bonjour sans entrave. Vous et moi, seuls face à la fin de la réalité, nous pourrions avoir besoin d'aide. Intéressant. C'est le problème de tous les bijoux que je rencontre en ce moment, c'est que il y en a aucun qui augmente l'endurance. C'est je perds forcément l'endurance ou quelque chose. Donc voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Mes alliés ont été emmenés dans la tour des damnés et il va nous falloir suivre le même chemin. Je doute que nous devions nous aventurer dans ces profondeurs. Et c'est tant mieux car aucun d'entre nous n'est en état de livrer un aussi rude combat. Venez, fuyons, offrions-nous un chemin jusqu'à la tour la plus dangereuse qui ait jamais existé. Délivrer les alliés de Renatal, retenus captifs dans le tourment de la tour des damnés. Il faut vite vous sortir de là. Sans entrave, à vous de jouer. Activez, vous savez bien. Non. Je ne peux pas abandonner mes alliés. S'ils sont ici, c'est à cause de moi. Il faut nous introduire dans tourment. Alors c'est bien parce que là c'est sous forme de sort, donc c'est vraiment lié à moi. Il y a peu de chances qu'on perde les PNJ. Ah d'accord, par contre ils combattent pas. Oh bordel, c'est une instance. Faut que j'arrive à la faire en moins d'une heure. L'intérieur de la tour défie toute logique matérielle. Il faut trouver un moyen de nous en échapper. D'accord, bon, ça c'est une chose. Alors là, je vous avouerai. Ça, dans la chambre de puissance. Bah. Là, j'ai la carte locale, mais quand j'appuie sur M. Ça. Toute logique matérielle. Vous vous rendez bien compte que je suis une épée volante, hein? Je n'ai aucun mal à passer entre ces immenses barreaux. Cellule d'Alima, servez-vous-en pour gagner en puissance. Bien, continuons. Thank you.
D'accord, il y a une monnaie qui s'appelle fantasme. Moi, pourquoi pas? Je sais pas trop en quoi ça consiste.
approcher. Ok, alors ça va être chiant. Juste ça, et me barrer. Bon. C'est violent ça. Mais il y en a encore ? Bordel, c'est un festival. La vache, et au sommet de la tour, je vais te péter. Hein. Je vais être complètement pété. Les couches, donjon. Je sais pas combien il y a d'étages au total. Ce doit être la créature chargée de garder les sables. Débarrassons des négociables. Oh. Oh, puis il y a des trucs intéressants en plus. Est-ce qu'on peut s'allier quand ramasser ? En plus, je pourrais acheter tout ça et potentiellement les vins. Ah non, non, oui, c'est contre des... D'accord. Est-ce qu'il aurait des trucs intéressants ?